le gars qui nous a attaqué tantôt, les amis. Il s'était pas à moi. Et je l'ai mis dans la paix. Donc là, on essaie de le garder en combat. Mec. Message, Lance. Tu m'as attaqué. Donc, drop ton stuff ou je te tue personnellement. Faut juste pas qu'il se mette. On fait juste le mettre en combat pour pas qu'il se déco ou quoi, tu vois. T'es pas gentil avec les abos. Tu m'as attaqué. T'es pas gentil aussi. Non, non, non. Tu m'as tapé tantôt, t'as failli me tuer. C'est à toi de payer maintenant. Try to hurt you. C'est à toi de payer maintenant pour tes actes, mec. Ça t'apprendra à pas fight les bonnes personnes. Tu n'attaques jamais à Icons. Est-ce que tu m'as bien compris? Jamais t'attaques à Icons! Mec. TP-vous, s'il te plaît. Ben, si c'est TP, il va continuer à avoir plus de gens dans la trappe. Ça, c'est parfait pour nous. Craft, on va crafter une petite demi-balle vite fait. Boom, voilà mon ami. Il pourra plus nous attaquer. What the fuck, je suis tombé. What the fuck, on peut pas mettre de blocs là-dessus? Oh shoot, oh oui, on peut en fait. Ah, c'est qu'il y a une trappe là. Blood rip. Bon, ben on le farm, les amis, à plus dans le bus. Ouch, il nous fait quand même vraiment énormément de dégâts, le gars. Je pense pas qu'il va mourir rapidement. En espérant qu'on peut au moins avoir le plastron et le truc, on pourra peut-être le partager avec... C'est qui farme de l'autre côté? C'est Théo, on le partagera avec Théo, on lui donnera un des deux pièces. Et puis voilà. C'est juste dommage qu'il m'aille attaqué avant, parce que sinon je l'aurais laissé en vie, no fake, genre... Oh, ouh, 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 ouh. Il essaie de me focus. Attendez, j'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée. Attendez. On va faire en sorte qu'il puisse plus nous attaquer, vous allez voir. On va faire... ça comme ça pour pas qu'il puisse perdre. Voilà. Comme ça, il pourra plus nous attaquer. Voilà. Beaucoup plus simple. Ah, il peut toujours, mais beaucoup plus difficilement. Donc, ça, ça va être fait au moins. Ça va faire un kill de moins. C'est ton choix, je respecte, mais bon, c'est un peu... Quand c'est... What? C'est quoi qui parle? What the fuck? Je me fais enculer! Je me fais enculer. Vous avez pas envie de m'aider? Chris, il va peut-être mourir un jour. Tabarnak. C'est bon, il est mort, les amis. C'est même pas moi qui l'ai tué. C'était trop long, donc je suis parti. C'est Natindo qui l'a tué. Il m'a donné le plastron et l'épée. Donc, voilà. La prochaine fois, les amis, essayez de pas m'attaquer quand que je suis gentil. Family friendly, s'il te plaît. Ça serait vraiment gentil. Et puis... Oh, merde. Je voulais casser la trappe pour qu'il tombe. Ok, bref. Essayez de pas m'attaquer la prochaine fois, les amis. Ok, bisous. Tellement que je suis gentil, les amis, j'ai donné à Théa un plastron space non enchanté. Comme parce que moi, elle m'a donné plein de stuff, puis moi j'ai pris le space là, fait que ça c'est cool. Fait qu'il va juste nous manquer des bottes et des jambières. So, dédicace à ce jeune homme, allez voir sa chaîne YouTube, il est partenaire. Donc, bisous. Ok, il y a un gars de ma fac qui a des bottes en plus. Fait qu'il y a des bottes space, donc je pense qu'on pourrait faire un échange avec lui. Préfère genre deux métiers, et je vais lui demander. Deux météores et trois space pour les bottes. Ok, je pense qu'il veut. Ils sont quoi? Pikachu 3, super! Good, good, good! Donc, il va juste nous manquer à mettre Pikachu 3 là-dessus, puis on va être bon. Dude, c'est vraiment une bonne échange qu'on vient de faire, parce qu'ils sont déjà Pikachu 3 dans le fond. Fait que c'est une très bonne échange pour nous.
Par exemple, là, on est rendu avec beaucoup de stuff dans notre Under Chest. Une chance qu'on a le skill chest. Sinon, on aurait plus de place. Ça, je vais la vendre. J'en ai déjà une. Puis ça, on va la garder finalement. Au final, ça, je peux les vendre. Parce que j'en ai déjà deux. C'est compliqué de les faire mettre, quoi. Voilà, vous avez compris. Les mettre en vente, quoi. On a un autre full truc ici. On a ça ici. Ça, c'est du P3. Fait que ça, je peux le vendre aussi. Fait qu'on va vite fait vendre quelques petits trucs. À tout de suite. Oh my god, ce genre de message, j'ai trouvé super plaisir. D'Odia War qui m'a dit, genre, pour t'améliorer au PvP, je te conseille de PvP plus souvent avec tes potes. Il a dit oui pour le mariage avec tes A. Et puis, ce message-là. Ah oui, si c'est toi, je t'aime, blablabla. Ça fait super plaisir, les gars, quand vous me reconnaissez, etc. Et que vous venez me parler, j'apprécie énormément. J'essaie de répondre à chacun d'entre vous, mais c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui me parlent, qui m'envoient des messages. Mais je fais de mon mieux, les amis. So, merci beaucoup pour votre support, ça fait super plaisir. Ok, yo, il y a Choups qui veut nous faire un petit don. Ok, jeune homme, c'est que je suis full en fait. Mec, garde ça, je vais prendre ça. Mec, garde tes kits, je suis full, mec. Merci, mec. Oh my god, les gars. Il y a un gars qui m'a fait un don juste avant. Il m'a donné tout son save et tout. Mais mon micro, il était pas activé dans toutes les fucking séquences. J'ai fait aussi un fight contre Amkutu. Le micro était pas activé pis tout. Oh my god, je suis trop con. C'est que je viens de me. Il est genre 6 h du matin pis. Genre gros, oh my god, je pensais pas que mon micro était pas activé. Je me sens mal donc. En gros, on m'a donné tellement de trucs. Oh my god, il s'appelait Dark Light, je crois. Attends. Attends, lui c'est Dark Light, right? Ouais, lui c'est Dark Light. Il y a Dark Light, il y a aussi. Soul Jack, lui, qui m'a donné tous ses trucs. Oh my god, man. Je vais vous montrer tout à la barre, tout ce que j'ai. Donc, je vais lui dire. Est-ce que t'as épée mété contre 400. J'ai pas été prêt, go. Oui. Ok, il va me donner des potions. Il va me donner tout son. Oh, il m'a dit d'aller vider mon inventaire, c'est pour ça que j'ai vidé mon inventaire. Dude, what the fuck? Damn, that's good, man. Merci beaucoup, mon ami. Oups. Merci beaucoup, mon ami. Ça fait plaisir. Je vais pouvoir me faire un peu d'argent en vendant tout ça. Merci beaucoup. Donc, je vais aller. Je vais lui écrire un message. Dark. Oh, il veut prendre le screen. Message Dark Light. Merci beaucoup, jeune homme. Ah, ça fait chier, mon truc a été cancel. En gros, on a eu genre deux stuff comme ça. Il nous a donné deux full comme ça. Une épée en mété. Celle qui est juste là. Trois mété. Max de punch hit, max debuff de creep. Comme vous pouvez voir, ici, j'ai un autre stack de punch hit. J'ai fucking de trucs, les amis. C'est un truc de malade. Home BP2. Je vais faire un petit cœur comme ça. Je lis tout le temps vos messages, les amis. Juste. Ok, toi t'étais grave moche, mec. Oh fuck, je voulais pas faire ça. Je voulais faire un truc de clépé pour ouvrir le coffre. Donc en gros, c'est tout ça qui m'a donné max d'XP. Les heals, c'était à moi. Encore des armures, comme vous voyez, des armures encore ici. Encore des potions. Dude, c'est juste insane, tous les dons qu'on me fait. Je vais juste tout mettre dans le coffre, puis je vais continuer à prendre vos dons. Et puis après, on fera un récap de tout ce qu'on aura eu, parce que c'est juste trop insane. Donc, TPA, il y avait un autre gars qui m'avait dit qu'il voulait un don. Ouais, Amstar, je crois qu'il s'appelle. Ouais, c'est lui. Je pense que c'est lui, donc je reprends, les amis. À tout de suite. Ok, so, il m'a donné 3 œufs de Creeper, et moi, j'ai donné mon kit enchanteur. Il m'a aussi donné du cannabis, mais ça, je sais pas pourquoi, mais genre, je pense que ça sert à rien, en fait. Je sais pas. Fait. On a vraiment plein de trucs à faire, les amis, et juste vite fait vérifier s'il n'y a personne autour de nous. Super. Donc, premièrement, on va prendre cette armure-là sur nous, puisqu'on est tout nu, bien entendu. On va ensuite. Ouh, nice. Des livres. On va prendre une deuxième armure parce qu'on va la donner à notre ami. Il y a un de notre faction qui n'a pas un armure, fait qu'on va lui en donner une. Ça, c'est un très bon arc. Il faut juste que je mette Punch 2 dessus. Puis je pense que j'ai un livre Punch 2 ici. Justement, parfait. On va aller au spawn faire ça. Je fais tout ça, les amis. Puis on va faire un calcul après. Ok, bisous. Oh, il y a comment il s'appelle? Gable aussi qui livre le serveur. Je sais pas pourquoi tout le monde livre le serveur. C'est assez étrange. J'ai presque fini de donner l'armure à mon ami aussi. Je sais pas. C'est vraiment, vraiment bizarre. Oh, il y a deux gars dans la salle d'échange. Ça, c'est pas bon signe.
J'aime pas cette idée-là, les amis. J'aime vraiment pas cette idée-là. Mais bon. Ah, le gars il est parti. Il s'est déconnecté, je crois. On va prendre ça. On a trois arc punch aussi. Ça, c'est vraiment bon. Oh! Attendez, je pense qu'on pourra mettre ça en P4U3 à la base. J'en ai vu un. Je suis là, mec. Je suis là. Il y a du space! Oh! La météorite et du space. Holy fuck, brother. Thank you very much, young man. Thank you. Merci beaucoup, jeune homme. Les pièces à spawner. Oh my god, les gars, vous êtes tellement généreux avec moi. Yo, attends, je vais être full, je crois, non? Putain, merci beaucoup, mec, ça fait super plaisir. Les amis, c'est parti, la revanche! Aeneas contre moi, let's motherfucking go, no back. C'est le premier qui broke, les amis, let's go. Il y a des armures en space, donc il prend 100 fois moins de dégâts que nous. On va voir si cette fois-ci on peut l'avoir. Les amis, ça va être un combat vraiment intense. Je suis vraiment excité à cette revanche. La dernière était, il y a genre environ 5-6 épisodes, on avait fait une, un 1v1 contre lui et on avait gagné. Cette fois-ci, peut-être qu'on va drop, peut-être que lui va drop. On verra bien, j'ai beaucoup, j'ai pas beaucoup de potions. On verra bien qu'est-ce qui se passe, les amis. En espérant que tout ça se passe bien. Dis-lui de pas intervenir. C'est bon. Oui, je rec, mon ami. C'est le premier que son plastron va broke ou sinon on va être dans la merde. Oh, attends, j'ai... Wow, c'est parce que j'ai crash, genre. Tu verras dans mon règle, genre, j'ai en plein milieu des crashs, là. Ouais, des crashs. Ouais, tu vois? Dis-lui... Moi aussi, j'en ai attends, dis-lui, message, viens ici, ça lag FPS. Ah, il a dit qu'il en a aussi. Ouais, c'est parce que là-bas, je sais pas, il y a un AP qui, genre, qui fait lag FPS, je pense. Genre, il y a quelque chose qui fait lag, parce que, genre, je suis drop. Quand je règle, j'ai 140 FPS, puis là, je suis drop à, genre, 20. C'est, genre, fucking lag pour moi, 20 FPS, là. Moi, je vais fight un peu. Quand ils prennent pas, les gars, on essaie de mettre un peu plus de coups, parce qu'il faut vraiment avoir l'avantage sur lui. Là, son casque, lui, est beaucoup plus résistant que le nôtre, par exemple. C'est ça le petit, je dirais, le petit problème qu'on a. Mais bon, on verra bien comment ça va se dérouler. Peut-être qu'on va être capable de... Je sais pas. Parce que lui, il prend beaucoup moins de dégâts, donc il nous met beaucoup plus de dommages au niveau de ses armures. Je sais que mon casque, il va pas mourir, mais je pense plutôt mon plastron et mes jambières vont mourir. Donc, on verra qu'est-ce qui se passe. On verra. J'espère pouvoir gagner. Whoopalaï, attends, je vais remonter un peu, mon pote. J'ai pas envie de descendre dans la faille. Qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord avec moi, hein? Tu veux pas aller dans la faille, toi non plus? Je pense que c'est pas une bonne place pour ce 1v1-là. Parce que, en fait, dans la faille, c'est que si quelqu'un vient nous stab pendant qu'on a plus beaucoup de dura, on va être dans la merde. Donc, vraiment important qu'on essaie de gagner ce combat-là, les amis. Ah, j'ai encore 67% de dura. J'espère sincèrement que ça va être suffisant, les amis. J'ai vraiment envie de gagner. Ça nous ferait un space en plus. Fuck, il a dit qu'on est capable, les gars. T'inquiète. Je gère mon pote. Tout va marcher sur la dura, les amis. Whoop-a-l'ail. Là, je me fais un peu gangbang, là. Faut que je commence à me ressaisir un petit peu. Est-ce que, à cause que, je sais pas, j'ai une deuxième armure dans mon inventaire, les amis. Je sais pas si je devrais l'utiliser ou pas. Sachant que lui, il y a des armures en space, est-ce que c'est égal de remplacer mon armure? Je sais pas, on verra bien qu'est-ce qui arrivera, les amis. Peut-être quand il restera genre 4-5% là. Ouais, c'est ça le truc. Mais, je sais pas. J'ai plus beaucoup de heal aussi, j'ai juste 5-6 heal. Drop-moi des heals, vite, drop-moi des heals, J'ai plus de heal. T'as juste 7 heal. Non, si, mais j'ai pas eu le temps, mec, il nous aurait... Ouais, ok. Essaye de le capter un peu en bas. Non, je vais... J'attends, je sais qu'est-ce que je vais faire.
Je sais que j'ai l'avantage sur lui en ce moment. C'est fou comment j'ai l'avantage, les amis. Genre, je sais pas, je le sens. Peut-être pas, peut-être que je me trompe, mais je sens que j'ai l'avantage sur lui. Peut-être que je me trompe complètement, mais je sais pas, j'ai l'impression que... Je sais, mais je parle de l'armure parce que, en fait, le space là, c'est super bon, mais si tu broke casque ou plastron, t'es mort. Genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression que je fais... Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que je fais pas mal de petits combos, etc. J'espère qu'on va pouvoir gagner. Je sais pas, je sais pas. J'aimerais vraiment se gagner, les amis, truc de malade, parce que, je veux dire... Je sais pas. C'est genre, c'est quand même un joueur respecté de la communauté, puis je pense que en gagnant ce server-là, ça peut prouver que je suis pas si nul que ça. Enfin, je suis pas le meilleur, tu vois, mais je suis pas le plus nul non plus. Je vais pas changer d'armure, j'ai réfléchi. Je vais pas changer d'armure. Ça se fait pas parce que je pense pas que lui a une deuxième armure. Donc, je vais pas changer d'armure. Si on gagne, on gagne un space. Si on perd, on perd. Puis voilà. Il arrivera qu'est-ce qui arrivera, quoi. Là, je suis déjà à 30%. Lui, je sais pas combien qu'il est, mais j'ai l'impression qu'on lui met beaucoup plus de coups. Comme vous pouvez voir, on lui met quelques coups de plus. Donc, je sais vraiment pas. Comment ses armures sont. Donc on verra bien quand on va y arriver. Il me tapait même pas puis ça bougeait pas. Donc let's go les amis, on va juste se feed. J'accroche tout le temps mon bouton feed aussi quand je fight parce que j'ai quand même des gros doigts. Hop là, il me comboait un peu là. Faut sortir de là. On est capable les amis. 22% sur mon plastron, mon casse et tout. Fuck, on est capable les gars. Il me reste vraiment plus beaucoup de heal. Ça va être ça qui va être le plus gros. Le plus gros truc, je crois, ça va être les heals qui vont nous porter vraiment problème. Là, je suis à 20%. Lui, il doit être dans les entours de 15-20. Viens derrière moi comme ça. Attends, t'inquiète. Il a pris une pomme. Il est derrière moi comme ça, il les voit pas. Ok, j'avais vraiment besoin de ces heals là en plus parce que je commençais à être vraiment low en heal. Il me restait genre 4 lignes de heal. Il me reste 30 secondes de speed. On va prendre. Un petit joint pour se remettre bien et let's go. Là on va l'attaquer, on va profiter de notre régène pour l'attaquer les amis, c'est le bon moment. On va jouer un peu agressif, lui aussi a pris un joint donc là c'est vraiment de l'armure, c'est celle qui broke en premier. J'espère que ça va être nous les amis, ce qui va pas broke en premier, j'espère que ça va être lui. J'espère, sincèrement j'espère vraiment beaucoup les amis. Faudra commencer à prendre des pump cheats bientôt parce que si notre pantalon est broke, je suis à 11%, je sais pas combien que lui y est. Oh fuck les amis, ça me stresse un peu. Ça me stresse fucking les amis, ça me stresse beaucoup, vous savez pas à quel point j'ai pas envie de perdre cette match là. Ah fuck. J'ai l'impression que j'ai bien fait aussi les amis, je sais pas. J'ai l'impression que j'ai bien fait, je sais pas, j'ai l'impression vraiment que j'ai bien joué sincèrement, donc je sais pas. J'ai pas envie de perdre ce duel là, 3% sur mes pantalons, donc là, c'est vraiment question de vie ou de mort les amis, c'est maintenant que ça se joue. À 2%, oh my god, il y a un meilleur épée que nous. On a broke pantalon. On va prendre un petit punchy. Il devrait pop bientôt, sinon je comprends vraiment pas qu'est-ce qu'il y a comme armure. Ses armures devraient broke bientôt, what the fuck? Ses armures, what? Il a changé. Plastron, un truc. What the fuck? C'est impossible gros, what the fuck? What the fuck? What the fuck, il a changé ses armures ou quoi? What? C'est impossible! Il a changé ses armures, c'est sûr qu'il a changé ses armures, mec. What? Il a changé ses armures, fuck! J'aurais dû m'en douter, mec. Ah, je le savais, j'aurais dû m'en douter. Fuck, je suis mort. Oh my god, je suis trop con, j'aurais dû m'en douter, mec. Putain, je suis trop idiot. Justement, t'as gagné un peu de dura pendant qu'il tapait ce pump shit. Ouais mais non mec, putain ça fait chier. Je vais open. J'ai vraiment besoin que tu me drops des potions, j'ai plus de potes. Yeah, yo, what the fuck. Il a joué la petite technique sur nous. Attends, t'inquiète. What the fuck, je pensais pas qu'il y avait deux stuff sincèrement. Oh my god, tu fais chier, mais bon. Hey, j'étais sur effet de pump cheat, j'avais plus de plastron, puis j'ai quand même réussi à gérer. On était vraiment chanceux, les amis, on aurait pu tout perdre d'un coup. Là, on a encore des chances de survivre. Oh my god, c'est dommage, je pensais vraiment que il y avait pas de deuxième armure, mais bon, je me suis trompé parce que c'est clair qu'il y avait une deuxième armure, là. Je veux dire, là, c'était sûr à 100%, il n'y avait aucune chance. Oh, pardon. Qu'est-ce qu'il fait?
peut-être pas des pommes d'or. J'en ai pas beaucoup, mais... pas beaucoup. Au moins, on est fair play tous les deux, je veux dire. Là, mon casque, il va broke bientôt. Lui, son casque va pas broke. Fait que là, c'est vraiment ça qui va lui faire gagner la partie, je pense, franchement. C'est dommage, mais bon. Je viens derrière moi. Tu vas drop ton casque? Non, il drop... a tout recul. Drop-moi ton casque. Je vais passer, puis je vais le récupérer. De quoi? Drop-moi ton casque. Ok, derrière moi, il est tout derrière moi. What the fuck, y'a combien d'armures? Gros, j'ai l'impression que j'ai pété. Je suis sur le bord de péter un de ses armures, c'est clair. Il a pris une punch-it là, right? Fait chier, mec. Ça fait chier, sincèrement. Parce que je pense qu'on aurait pu avoir gagné s'il n'y aurait pas eu deux stuff. Ah, oh, c'est pas grave. Mais on aurait peut-être perdu aussi, qui sait. On peut pas réellement savoir. J'ai pris punch-it lui aussi. Donc, on verra bien qu'est-ce qui arrivera. Là, il y a un gars qui est arrivé dans le milieu oh du là fight. Oh là là, gros cancer, dégage! Dégage, j'ai Exilos, t'as plus de casse, hein? Je sais, je m'en fous. T'as broc. Je sais. T'aurais pu me le fixe. Il était pas fixe en plus. Mais j'ai pas de. Je peux pas me fixe. Putain, mec, j'ai plus de bottes non plus. Prépare des bottes, lance des bottes par terre et casse-toi vite à attraper. T'es prêt? T'as lancé tes bottes ou pas? Me fais assaut. T'inquiète, lance pas tes bottes alors. T'es mort. T'es mort vraiment? Ouais, il m'a tué. Oh putain. What the fuck? Est-ce que j'y vais ou pas? Fac, ok, attends, je vais dire à mon pote. I fuzz. Putain. Je suis mort. Eh oui, bien joué. GG. Je suis mort par un fils de pute. Eh mec, c'est PS3 Gaming, moi, il m'a tué. Go, les gars, on se retrouve pour un don de Zeko. Donc là, je m'en allais de PVP full space. Mais oh my god! Il m'a donné des bottes P3 full space, dude. Prends ce que je te donne. Yo. What the fuck, bro? Message Zeko. Thanks, bro. Des bottes en. Il m'a donné des bottes en space P3, gros. Je vais les mettre. Attends, je pense que dans ma BP. Tu l'as pas. Dis-lui de partir. J'ai un home à la BP. Je pense qu'on a un livre P2 ou P3, genre. Je pense que je vais le mettre dessus. Comme ça, on aura plein de trucs aussi. Des œufs de creep. On a plein de trucs qu'il nous a donné, même. En plus, j'ai plus mon. Yo, merci, mec. Ça fait vraiment plaisir. J'ai plus mon. Mon stack de creeper, je l'ai changé contre des bots en space, je vais vous montrer vite fait. Donc en gros, j'ai changé 64 œufs de creeper contre 64 bots de space. 64 bots de space. 64 œufs de creeper contre des bots en space, vu que la personne en avait vraiment besoin. C'est pour ça que mon stack de creeper n'est plus là. Là, ben, ça va nous faire une paire de bots en plus qu'on pourra garder ou vendre. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec. Je sais pas à quoi ça va nous servir, en fait. Mais bon. Aussi, on a un livre vraiment OP. Regardez, on a ce truc-là. Oh. Vraiment OP, je sais pas trop quoi faire non plus avec Punch 2 Power, pis tout, genre, je sais pas. On a pas un livre P3 qui traîne ici, gros? Non, ça a pas de l'air. Ça coûte combien le psy? Je sais pas, mais on va mettre. HDV. Mais là, 150, ça va se vendre facilement. Je vais mettre donner des niveaux, puis je vais fusionner tout ça, les gars. Puis ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui. En espérant que celle-ci vous a fait plaisir. Même si je suis mort contre Aneos, il est vraiment bien géré. Donc, GG à lui. En espérant que la vidéo vous a fait plaisir, les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous aime, c'est Icon. Ciao.